Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur le Mini-Train d'Arnold. Donc euh, là on se retrouve en plein été parce que j'avais envie de partager avec vous euh, l'amélioration d'un Picasso Jouef Loisir, le X3800. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, euh, un peu avec difficulté parce que très rapidement il s'est retrouvé en rupture chez beaucoup de détaillants. La raison c'est parce que je pense, comme beaucoup de personnes, que c'est un bon compromis euh, qualité-prix par rapport à la concurrence qui est pour moi du haut de gamme chez euh, Mistral et LS Model par exemple. Et euh, ben, moi, je vais m'efforcer me, d'essayer de l'améliorer ce jouet-loisir. avec euh, Déjà, par, je commencerai par la digitalisation de ce matériel car mon réseau est en digital. Et puis après, ben, par une patine, euh, par la, la, la pose de comment, de voyageur, euh, peut-être d'un conducteur, ça je verrai. Et euh, ben on voit ça tout de suite. On va commencer par le déballage et, et ben c'est parti. Allez, c'est parti. On va commencer par le déballage. Donc euh, je vais pas en faire long parce que pour moi la boîte euh, a qu'un objectif, euh, c'est de le protéger pendant le transport. Après, ouais, le design de la boîte est pas mal. Donc voilà, moi j'ai la version... Euh... Alors je vous montre, ouais, c'est pas facile. Voilà. Alors moi c'est la version euh, rouge et beige, parce que dans ma région, il y avait celui-là. Et donc, euh... bah, voilà, hein, je vais faire rouler du matériel sur mon réseau qui a eu dans la région. Comme vous connaissez un peu mon histoire, je fais rouler que le matériel que j'ai vu passer devant chez moi. Donc euh, voilà, on va pas... je ne vais pas en faire des caisses sur l'emballage, les bonnes mousses. Voilà. Donc euh, je pense que ce système de nouveau emballage là est pas mal. Le véhicule est bien protégé. Donc voilà, encore un plastique, on l'enlève. Donc euh, hop, voilà. Donc euh, voilà le matériel. Donc euh, l'aspect général je le trouve vraiment bien réalisé aussi. Hein. Donc bien sûr, je suis pas le seul à avoir fait ça. Je vous le montre. Je vais pas insister. Je vois pas beaucoup de défauts. Je vois pas beaucoup de défauts. Euh... Après, euh, voilà, c'est sur un réseau où le matériel roule. Euh, le... Les finitions sont pas mal. Alors après, bien sûr, c'est des moulages, c'est pas des pièces rapportées, les, les mains montoirs Là, on voit quand même qu'ils ont mis un. Voilà, le marchepied, là on voit qu'il a été euh, ar euh, argenté. Donc non, non, ils ont amélioré un peu le... Même la, même la, la peinture, le beige, il est sûrement plus réaliste que l'autre d'avant. Donc voilà, je ne vais pas faire plus pour ça. Et donc, voici le jouet loisir. Donc, euh, Picasso. Donc maintenant, ben, je vais l'ouvrir. Parce que euh, le but, euh, c'est de euh, digitaliser, vu que mon réseau, bien sûr, comme je vous ai dit, il est digital. Donc euh, la version est en, en analogique. Euh, je n'ai pas vu d'autres versions d'ailleurs. Et euh, bah, maintenant, on va. Alors, il n'était pas à l'écran. Donc on... je vais euh, poser un décodeur. Et puis là, là, on va essayer de l'ouvrir sans casser de boue, mais je pense que ça va bien se passer. Alors donc maintenant je vais, je vais l'ouvrir. Donc je vais l'ouvrir. Alors vous utilisez des vieilles cartes, hein, alors genre, genre des cartes comme ça, hein, cartes. De... Voilà. Donc celle-là, vous avez vu, hein, un petit clin d'œil. La J.A. retour en Ligue 1. Donc des vieilles cartes de crédit, de... voilà, des... des cartes quoi. Donc vous les faites, vous faites glisser. Alors, attention. Faut que je, voilà. Sans trop forcer vous écarter. Et en fait, normalement, hop, j'ai essayé de montrer. Voilà. Les, les petits ergots là, ils sont souvent par là. Hein, au niveau des, des essieux. Donc vous placez ça, les cartes. Vous faites glisser les cartes à chaque coin. Vers les essieux. Alors vous y allez quand même moulot, mais normalement ça passe. On va mettre là une là. Hop. Au niveau de l'essieu, donc vous voyez, ça écarte, ah, hop, ça écarte légèrement. Euh, on voit là, hein. ça écarte légèrement le châssis. Euh, vous faites ça aux quatre endroits de chaque côté. parce que dans souvent, quasiment tout le temps, les petits ergots là qui retiennent la caisse sont là au niveau des essieux. Hop, je vais mettre la quatrième, et puis après, quatrième carte, moi je fais comme ça. Tout doucement, on fait glisser. c'est un peu plus dur là. Voilà. Alors là, il y a les quatre cartes, je vous montre. Et normalement, hop, vous basculez, vous faites une pression et normalement la caisse, normalement la caisse doit suivre. écartez un peu. Voilà. Hop, hop, hop. Et là, il y a plus que deux. Et voilà. Et voilà, votre caisse est séparée. Alors, je vous montre, votre caisse est séparée de votre châssis, sans rien casser. Donc maintenant, hop, on va faire un peu de ménage. On va passer à la digitalisation. Maintenant, on va passer. Donc là, je vais vous montrer. On va passer à la digitalisation. Digitalisation. Donc là, c'est simple. Ça, c'est votre bouchon analogique. Donc ça, faut l'enlever. On va enlever ça. Là. J'ai reçu mon décodeur. Alors, c'est sur ce modèle-là. C'est un 21, 21 broche euh, NEM 660, je crois. Donc, voilà. Donc, un peu de pub aussi. Voilà. Moi, je prends ça comme décodeur. Tout mon matériel euh, est équipé de ça. Tout ce que j'ai digitalisé est équipé de ces décodeurs de, de ces marques-là. Donc, j'ai jamais eu de soucis. Donc, allez, euh, go. J'attaque ça. Alors, je vais essayer. Euh, d'enlever ça, hop, tranquillou. Normalement, ça va partir sans trop forcer. Voilà, vous soulevez un peu, vous ne forcez pas. C hop. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même très, très simple. Donc là, il y a un sens. Donc, moi, ce dé mon décodeur est dans ce sens-là. Normalement. Voilà, donc là, je vais le positionner face aux petites broches. Et après, il faudra juste faire une pression. Ah Il est tombé. Voilà, me revoici. Donc, hop. Et après, on met ça en place. Tout simplement. Oh, C'est pas, pas simple de montrer tout simplement en appuyant. Pareil, vous y allez mollo bien en face, et normalement, là, une fois qu'il est mis en place, on fera un essai comme ça à vide. Donc, euh, je vous montre le décodeur en place. Ceux qui ont suivi, ils ont vu euh, que juste avant euh, je l'avais mis à l'envers, donc euh, ça marchait pas. Donc, voilà, donc euh, là, il est bien en place. La marque devant. Les deux fils là, c'est des options sur ce décodeur là. Donc maintenant, euh, j'ai derrière là, juste derrière, vous avez vu, c'est ma ligne de programmation de la Z21. Donc je vais la poser, poser dessus et, et je vais programmer euh, l'adresse euh, du décodeur sur euh, mon Picasso. Donc voilà, je pose ça là et après et après je vais entrer l'adresse sur le décodeur. Bah, j'ai rentré l'adresse du décodeur pardon sur la centrale z 21 donc voilà c'est bien dessus donc maintenant je m'attaque à rentrer l'adresse alors maintenant que mon bah, mon châssis mon, mon picasso il est sur la, la ligne pour rentrer les adresses de programmation donc voilà j'ai pris ma VLAN, je vais chercher. Alors ça c'est tous les tous mes trains qui sont déjà euh, entrés. Donc euh, je cherche hop hop on fait défiler nouvelle adresse. Hop, je ok. Donc là c'est le nom de l'adresse. Donc je vais marquer. Euh... ouais, je vais mettre X3800. Allez hop. Alors X. Ah, ça a sauté une ligne hop vous voyez 3 8 2 0 hop le 0 le 0 hop voilà l'adresse me plaît je valide ok euh, ça c'est le nombre de locaux donc, je dois être à plus que 20, je vais marquer 22 comme adresse. L'écran 128, je. Euh, je... Peut-être pas, je pense pas. Donc, euh, vous pouvez changer l'écran, voilà, 28. Hop. Là, c'est rentré. Donc, maintenant, on va mettre le ça la programmation OK Donc V tout à l'heure 22 Donc voilà, Vous voyez inversion des feux. Hop, l'adresse est entrée. Donc là, on peut mettre les feux rouges d'un côté, je pense. Voilà. Donc voilà, là l'adresse est entrée et maintenant on va aller faire un test sur le réseau. Donc voilà, on se retrouve pour le petit test sur le réseau. Donc on voit qu'il y a un bon ralenti. Donc, euh, j'ai parmi la caisse euh, pour la simple raison que je vais pas remonter sans arrêt, euh, démonter la caisse. En fait, euh... ah, c'est arrêté. Après, c'est peut-être des crasses. Des Donc, on voit bien l'inversion la... des feux. Hein. Alors, ça, c'est un choix que vous avez euh, avec, euh... avec la digitalisation. Parce qu Après, quand vous allez avoir un. Une remorque derrière, vous pouvez supprimer, euh, là, je vais vous montrer, vous pouvez supprimer les, les, les feux derrière. Voilà, au choix, vous le mettez, vous les supprimez. Donc euh, voilà, petit test concluant. Donc oui, j'ai parmi la caisse, hein, je vais finir ma phrase. C'est parce que j'ai euh, posé les personnages dedans. Donc on verra ça et voilà quoi. Donc euh, bah, ça a l'air de fonctionner correctement. Donc euh, le test est, est concluant, donc euh, voilà. Voilà, voilà, ben, on va continuer après avec euh, les personnages et tout ça. Alors on se retrouve dans ma partie atelier, petit atelier. Donc je profite que la caisse est, est séparée euh, du châssis. Donc euh, je vous ai parlé des personnages, je vais faire ça après parce que comme je vais faire une patine euh, sur le toit, sur les côtés, je ne voudrais pas trop la, la toucher. Euh, donc je vais vous montrer comment je vais réaliser mes rideaux. Donc en fait, euh, si vous vous rappelez à l'époque... Euh, les rideaux, en réalité, euh, ils étaient en, euh, bon, c'était déjà un tissu très épais. Donc, euh, j'ai fait le choix de prendre euh, une, du papier cartonné. Euh, et la couleur, c'était, euh, si vous vous rappelez, c'était un jaune orangé, pas très euh, joli d'ailleurs, un jaune, on pourrait dire pisseux, qui était pas, pas beau. Donc, euh, j'ai trouvé quelque chose qui s'en rapproche le plus et qui coûte rien. C'est-à-dire, euh, je suis allé chercher dans les affaires de mes enfants il y a longtemps. C'est-à-dire, c'est euh, voilà. C'est des intercalaires de, en carton, de, un peu comme des feuilles cançons de, de, de classeurs. Donc voilà. Donc euh, j'ai préparé, j'avais fait un test avant. Donc je vous explique comment j'ai fait. J'ai découpé des bandes de différentes tailles dans ce. Alors c'est assez souple, hein, je dis cartonné, vous voyez, c'est assez, assez souple. Donc euh, bande, là j'ai fait des bandes de. Ça, ça fait. Euh, 1,5, ça... après c'est comme vous voulez hein. et après bah, il faut les positionner, je vais vous montrer comment je fais pour positionner les, les rideaux donc alors jusqu'ici toute cette partie là c'est la partie là, la moteur les... Les... alors euh... le conducteur sortait par là ou par là, ici vous avez une zone bagage où il stockait même des fois du, Un petit... du petit fret de la Cernam euh... donc en fait il n'y a pas beaucoup de de rideaux à poser sur ce genre de modèle-là, vous avez cette partie-là et cette partie-là. Donc en fait, je vous montre donc, les bandelettes découpées et en fait, je vais les positionner comme ça. Alors c'est à votre... Voilà. C'est comme vous voulez. C'est-à-dire que vous faites comme ça des demi-rideaux, donc bien sûr, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez euh, fermer complètement. Un rideau, quand il, voilà, si vous considérez que votre euh, il fait chaud et puis que les gens à l'intérieur, euh, bah, ils ferment les rideaux. Après, avec des bandelettes plus courtes, c'est-à-dire euh, plus petites, comme celle-là, alors je vais faire là sur, sur l'avant. Si vous positionnez ça comme ça des deux côtés, ça fait des rideaux fermés qu'on voit euh, quand même sur les côtés. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des rideaux, mais les gens les ont, ont les fermés. Voilà, vous mettez ça comme ça de chaque côté. Donc voilà comment je vais réaliser euh, mes rideaux. Comment je les, les... Alors je vous explique rapidement à l'intérieur. Bah Vous voyez, ça va être euh, comme... Bah, les lamelles vont se présenter euh, comme ça, là, dans la caisse. Alors c'est comme vous voulez, c'est où Vous voulez coller avec un tout petit point de colle, euh, euh, sinon une petite colle, une petite glue ou un machin, ça ne gêne pas, vous n'allez pas détériorer votre matériel. Ou alors si vous avez peur et vous voulez les... Pas ab abîmer le modèle c'est en cas de, de, de revente ou comme vous, euh, voilà, comme vous voulez ben bah moi je vous conseille de scotcher avec ça et ça le fait aussi donc voilà comment euh, moi je vais réaliser mes rideaux donc je vais pas le faire devant vous, devant vous parce que je vais les faire un par un je vais choisir euh, voilà pour le collage vous avez compris c'est assez simple une fois que ça et, je, et ça fait son effet hein, je l'ai déjà fait sur euh, mon ead que je vous ai déjà montré sur, sur, ma, sur ma, ma chaîne sur d'autres vidéos donc voilà, bon maintenant je vais, je vais faire ça puis je vous montrerai euh, quand ça sera fini. Donc euh, voilà, j'ai fini euh, la pose des rideaux, donc euh, je vous montre. Donc voilà ce que ce que ça donne. Hop, je fais un tour. Voilà. Ah, Peut-être de loin ça rend mieux, je sais pas. J'ai trouvé l'angle, voilà. Et je vous montre à l'intérieur. Donc euh, comme je vous ai dit, voilà des petites bandelettes euh, collées euh, avec une petite goutte de, de de glue. Donc voilà. Bon ça bind pas le le modèle. Après il faut juste faire attention de ne pas en avoir sur les doigts et puis en mettre sur le sur la, la caisse, mais euh, voilà. donc les rideaux sont terminés. donc après, on va passer à, à la pose des, des personnages dans le châssis. donc on va, je vais utiliser ceci comme référence. voilà. des personnages assis. donc je vais pas tout mettre. Hein. Mais euh, j'aime bien avoir des beaux personnages. Ça, c'est un choix personnel. Donc, euh, je trouve que ceux-là, ils sont bien réalisés. Alors, je vais en mettre... Euh... Bon, pas tout. Hein, là, Il y en a 14. Je vais en mettre à l'endroit stratégique, on, euh, au niveau des fenêtres, qu'on euh, on les voit bien. Donc, euh, je vais repositionner le châssis, voir où sont les, les fauteuils. Et... Et je vais coller pareil les personnages directement sur le châssis, voilà. Alors pour le collage des, euh, des personnages, donc euh, j'ai commencé, hein, je vous montre. Donc, euh, donc voilà, ils vont bien, hein, ils se positionnent bien. Donc en fait, euh, comme je vous ai dit, j'ai j'ai regardé où j'avais mis, euh, j'ai repositionné. Là voilà pour euh, le châssis par rapport à la caisse pour voir où je mets les personnages où ils sont le plus visibles par rapport à mes rideaux. Donc voilà. Donc euh, faut être malin, ça sert à rien de mettre un personnage qui est caché par un rideau vu euh, le prix des personnages. Donc euh, voilà, vais... c'est comme ça que je fais. Donc euh, je colle à, à la cyano et... et après je vérifie toujours. Voilà. Donc là ils ont ils sont bien collés et donc je continue, je vais faire je vais en mettre euh, sûrement un par là, un par là, je vais mettre 4, 5, 6 euh, personnages dans, dans ce Picasso. Donc voilà comment euh, je pose mes personnages. Et bien sûr, aussi je vous euh, un petit conseil, Vous voyez euh, ici là, j'ai euh, volontairement décollé de la fenêtre pour éviter... Euh, Justement, quand je vais remettre la caisse, que ça frotte et que je casse le personnage ou que je ne puisse plus remettre la caisse. Donc faites attention à ça quand, si vous pouvez poser des personnages qui laissent bien le, le passage libre euh, pour reclipser -re la, la caisse. Donc voilà, je, vous, euh, je continue, puis je vous montrerai à la fin euh, quand j'aurai tout fini de poser mes personnages. Donc voilà, j'ai posé mes, euh, mes personnages. Donc euh, vous voyez quand ça me gêne euh, je coupe les jambes hein. de toute façon euh, ça ne se voit pas une fois que la caisse sera mise. Donc j'ai même mis un personnage debout là, un personnage en bleu, qui tombe euh, en face euh, la fenêtre euh, qui est ouverte. Donc euh, bon j'ai repositionné la caisse et on va, on va regarder euh, ce que ça donne. Donc euh, comme je viens de vous le dire, j'ai repositionné la caisse. Donc en faisant attention euh, à pas trop forcer à voir si ça ne forçait pas. Donc voilà. Donc on voit bien mes rideaux. Alors, voilà le personnage debout là au niveau de la fenêtre euh, ouverte. Une personne, euh, un voyageur assis. Un autre là avec le rideau euh, sur les épaules. Bon ça je l'ai pas fait exprès mais bon je le laisse. Donc voilà. Donc ça donne ça. Donc maintenant, euh, je vais passer à une patine euh, du toit et, et des bas de caisse. Donc voici mon Picasso Jouet de Choisir euh, terminé avec la patine réalisée à l'aérographe euh, sur les toits, sur le toit et les, et les bas de caisse. Donc euh, bon bah je vous montre pas la, je vous ai pas montré le la patine, parce que je ne pouvais pas, c'était compliqué à filmer. Donc j'ai fait à l'aérographe le, le toit. Alors, ça, c'est euh, chacun fait comme, comme il comme l'entend. Hein. Moi, j'aime ai, bien marquer euh, le toit parce que je me rappelle que les Picasso euh, fumaient énormément au niveau de, de l'échappement qui était sur le toit. Donc ça marquait vraiment. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je le voulais. Alors, j'ai fait euh, les bas de caisse aussi. Euh, pour faire euh, sale, quoi pour faire euh, un Picasso euh, en activité hein. donc je me je vous rapproche j'ai fait quelques points de rouille sur le, sur l'avant là au niveau de la porte donc voilà donc maintenant je vais faire euh, maintenant qu'il est terminé comme je voulais euh, bah, maintenant je vais faire quelques tours de roue euh, sur mon réseau